1, 2, 3. 1, 2, testing. 1, 2, 1, 2. C'est comme vous voulez. OK, bon. Ben, salut Laurent, comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va bien, merci. Et ça toi? Ça va bien, très bien. Je te remercie beaucoup. Content d'être là. Oui, ben content d'être en ta présence aussi. C'est très gentil. Oui. Ben, bienvenue aux entrevues atypiques. Es-tu prêt pour commencer? Absolument. Moi? Parfait. Si je parle trop vite, tu me le dis, hein? Parfait. Moi aussi, je parle trop, tu me le dis. OK, c'est bon. Présente-toi comme si tu étais un mafioso. Comme si j'étais un mafioso. Moi. Écoute, je suis un humoriste que t'es mieux de pas manquer. J'ai un show, là. Faut que tu viennes voir ça, sinon tu vas le regretter. Pas pire? Ouais, c'est pas pire. C'est quasiment peur. Menaçant. Yes, ouais. Je me suis fait peur à moi-même. Imagine que tu travailles comme concierge dans un grand édifice de Montréal. OK. Abritant les multinationales de ce monde. Quelle sera la première chose que tu vas nettoyer? Le conseil d'administration qui prend les décisions, puis je mettrais du monde avec un petit peu plus de conscience sociale. C'est pas mal la première affaire que je nettoierais. Mais c'est pas aussi facile que ça, ça a l'air. Yes. Hein? Je réponds pas pire quand même. Ouais, c'est vrai. Dans les vies quotidiennes, es-tu une personne très sportive? Oh non. On veut vite de savoir. Ben, je viens de commencer à m'entraîner, là. Je suis pas quelqu'un de sportif. Non. Puis là, je commence à trouver qu'il faudrait que je le sois un petit peu plus. J'ai 52 ans. Puis là, je me dis, si je me prends pas en main maintenant, il va être trop tard. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Je fais des poids puis du tapis roulant. Puis j'essaie de bouger plus. J'ai rapetissé ma bédaine d'abord. Ben c'est ça que je vais faire un peu tranquillement. En attendant, je suis obligé de me forcer pour la rentrée, mais à un moment donné, elle va être rentrée tout seul. Ouais, tout ça. Ouais. C'est bon. Ton supérieur t'appelle, OK, te demande où tu te trouves dans le bâtiment. Où est-ce que t'es concierge? Les multinationales de ce monde. Comment réagis-tu quand il te demande où est-ce que tu te trouves? Ça dépend de ce que je suis en train de faire. Si je suis en train de faire de quoi que je veux pas qu'il sache, je vais probablement trouver n'importe quelle excuse. Je vais dire « je suis aux toilettes, je peux pas te parler, je suis en train de faire quelque chose qui ne te regarde pas et puis je peux-tu te rappeler? » C'est probablement ça que je vais dire. Le temps, pendant ce temps-là, je vais avoir le temps de réfléchir à ce que je peux faire pour me sortir du trouble. Ça sent le vécu? Non. J'ai rarement été concierge pour des multinationales, mais effectivement, c'est probablement ça que je ferais. OK, parfait. T'es pas prêt aux prochaines questions. Il te demande de le rejoindre dans son bureau situé au 666e étage. Mais l'ascenseur tombe de service à cause d'une infestation d'araignées. OK. Les escaliers sont impraticables à cause d'une flaque d'huile. Comment prévois-tu atteindre le 666e étage? Hey boy! À dos d'araignée, on a le droit de dire des affaires qui se peuvent pas, hein? Ouais, ouais, les questions se peuvent pas faire, tu sais, à dos d'araignée. Non, c'est ça. Ben, s'il y a autant d'araignées, je vais prendre leur toile, je vais me faire une corde avec ça. C'est ce qu'il y a de plus résistant dans le monde, du fil d'araignée. Puis je vais me tirer jusqu'en haut. Tu peux comme Spider-Man? Ouais, ou je vais me faire piquer par les araignées, puis là, je vais devenir Spider-Man. Puis là, je vais pouvoir monter en haut, puis n'importe où je veux. OK, c'est good, bravo. Il a répondu. Ah, c'est quoi, je fais des efforts, là. Arrivé au 666e étage, tu découvres que ton patron n'est pas là. Quelle est ta réaction soudaine? Ah ben, je pense que je vais être soulagé. Okay. Ouais, je sais pas si j'ai le goût de le confronter. Ouais. Tu comprends-tu? Je travaille dans son dos présentement, fait que si j'essaie d'être... En fait, je travaillerais probablement par en dessous. Fait que si j'arrive là, puis que lui, il est là, je vais être déstabilisé. Parce que mon but à moi, c'est pas de l'éliminer, tu comprends? Non. C'est de travailler dans son dos, rentrer dans son ordi, changer ses mots de passe pour qu'il soit plus capable de travailler puis prendre des décisions. Fait qu'idéalement, faut pas qu'il soit là. Est-ce que ta grand-mère était à l'aise avec l'électronique? Moi, chez nous, personne n'est à l'aise avec l'électronique. Non, pas non plus, toi. Moi non plus. Je suis vieux ordinateur. Je suis un des moins pires dans ma famille. Je suis un des moins pires. Bon, heureusement. Mais c'est pas toi qui gères tes réseaux sociaux. Oui, oui, bien, ça dépend. C'est-à-dire, oui, je réponds. Les gens qui m'écrivent, quand il y a une réponse, c'est moi qui réponds. Bon. C'est moi qui gère ça. Mais tu sais, pour toutes les publications, de rappeler aux gens, je suis en spectacle à la télé, puis les photos, tout ça, des fois, je me fais aider un peu. C'est ça, ça. Tu dois avoir de l'aide dans la vie aussi. Oui, parce quand que. Quand t'es rendu à être sollicité de même, on s'entend que. Il y a trop d'affaires à penser. On a tellement de choses. Oui, oui, puis moi, je me trouve. Pas. Très chanceux, j'ai une équipe qui m'entoure et qui m'aide vraiment très bien. Maude est vraiment très gentille. Elle chapeau est elle. Formidable, Maude. J'en profite pour la saluer. On va continuer les questions. Ton patron t'appelle pour annoncer sa démission, évoquant la crainte d'une mafia italienne. En 15 secondes, compose-lui une chanson de motivation pour le convaincre de revenir au travail. Ah, parce que là, tu veux que je le convainque de revenir au travail? Oui. Moi, dans ma tête, je voulais pas qu'il revienne au travail. Mais là, si je veux le convaincre de revenir au travail... Compose-lui une chanson. Une chanson? Peut-être que je pourrais une chanson pour le convaincre de revenir travailler. Ouais. Pour qu'éventuellement, il se fasse éliminer, peut-être. Patron, reviens, tout le monde te veut.
Tout le monde veut travailler avec toi. Viens, patron, viens te faire éliminer par la mafia. Bon, OK. Peut-être que ça ne marcherait pas. Peut-être que je ne l'aurais pas convaincu avec ça, mais au moins, j'aurais essayé. Pendant que sous l'effet ces messages de motivation, des coups de feu retentissent. La secrétaire de ton patron vient d'être tuée. Oh. Comment réagis-tu sur le chat? Là, c'est sûr que j'ai de la peine. En fait, je la prends sur mon dos et puis je m'arrange pour la descendre en bas parce que c'est pas de sa faute à elle. Elle, c'est une bonne personne. Ouais. Elle sait pas que son patron est pas fin. Puis je m'arrange pour aller voir sa famille, offrir mes sympathies, puis leur dire, voilà, votre mère ou votre cousine ou votre sœur est décédée et puis je vous offre toutes mes condoléances. Mes condoléances, désolé. À cet instant, on te rattrape et tu dois choisir entre être écartelé ou empalé vivant à raison de ce que tu as vu. Quel sera ton choix? Empalé vivant ou... J'ai l'impression qu'empalé vivant, je vais mourir plus vite. Écartelé, me semble que ça doit être souffrant. Ouais, pas mal. Fait que c'est drôle à dire, hein, mais je choisirais l'empalement. Papier de toilette! Tiens, tu dois y être pour toi. Merci. Fait que là, j'avais une question par rapport à ça. Fait que là, on débarque de l'empalement, OK? OK. On te débarque de là. Puis je suis pas mort? Non. Ah, OK, souffres, tu souffres parce que on te sort de là. OK. Fait que là, on te demande de nettoyer le bâton. Comment est-ce que tu veux le nettoyer? Ben, j'en parle quelqu'un de très propre. OK, c'est bon. Tu peux le crisser sur la terre. Ouais, c'est ça. Puis regarde, moi, je pense qu'après m'être fait empaler, j'ai le droit de faire pas mal ce que je veux. Là. J'ai assez eu de marde puis de problèmes de même. Ou je pourrais, avec ça, nettoyer... il est tout neuf, en plus. Ouais, il est tout neuf. Il n'a pas été utilisé. Oui, j'espère. Mais sans je t'ai donné du papier de toilette utilisé. Ah oui, tiens, rattrape ça, il y a mon assistant. Je pense que ça n'a pas été ces caméras. Tu devais mourir demain de cette façon. Quelle image aurais-tu laissé de toi à la postérité? L'image d'un gars qui a essayé de sauver l'humanité en piratant l'ordinateur d'un puissant de ce monde. Mais si, mettons, qu'on est dans la vraie vie, ben j'espère qu'on va se rappeler de moi comme d'un humoriste qui a fait une belle carrière. Puis qu'est-ce que tu as négligé par manque de temps, Laurent? Qu'est-ce que j'ai négligé? Oui. Oh, j'ai négligé sûrement des fois ma famille, peut-être mes enfants. Ouais. Je trouve que je suis souvent pas là. Puis là, si je suis en plus occupé à sauver le monde, j'aurais pas le temps de m'occuper de mes enfants. Mais quand, mettons, dans ma carrière, ouais, c'est l'affaire que j'ai négligé le plus, probablement, c'est ma famille, mais c'était pas voulu. Mes enfants puis ma famille en général sont fins. Ils comprennent que c'est ça ma vie. Hein? Ils comprennent que si je veux payer un nouveau iPhone ou un nouveau iPad, faut que j'aille faire des jobs. Nicolas, tu peux-tu venir? Oh, Nicolas, qui est Nicolas? Qu'est-ce qu'il fait, Nicolas? Salut Nicolas, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Je m'appelle Nicolas Smith, je suis un artiste. Salut, enchanté. De temps en temps, je m'avais donné un cadeau à l'invité de Mathieu. OK. Puis c'est donc bien... Ah, tabarouette! C'est toi qui as fait ça? Ouais. Tabarouette! Ben, t'es donc bien bon. C'est beau. Hey, je sais pas si vous l'aviez déjà montré à la caméra, mais regarde ça. Tabarouette, bravo! Merci beaucoup. Ben merci à toi. C'est vraiment très gentil. Eh, si, bonac. Tu fais ça à l'ordi ou au crayon? Comme... Tabarouette, OK. S'il m'a fait rire, c'est ta réaction, premièrement. c'est vraiment réussi. Vraiment bravo. Écoute, quel talent. Qu'est-ce que tu apprécies de... Quel talent. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu apprécies en 10 secondes de le dessin? Hey, bien, c'est le temps qu'il a mis là-dessus que je trouve formidable parce que c'est extrêmement bien exécuté. Fait que c'est de dire, ce qui fait plaisir, c'est de se dire, OK, il y a quelqu'un qui, pour moi, là, pour m'offrir à moi, il a mis des heures là-dessus, ou je ne sais pas si c'est des heures, mais en tout cas, tu as mis du temps là-dessus. Combien de temps? Moi, c'est l'affaire que... Quand même, bizarre. Hein? Ouais. Ben, c'est ça. Il est rendu habitué, il a passé à celui bonjour aussi. Ah oui, OK. Ben, tu sais, dans la vie, il n'y en a pas tant que ça des gens qui passent 2 heures à faire quelque chose juste pour te faire plaisir. Ouais. Fait que ça me touche vraiment beaucoup. Tu veux-tu le laisser sur toi en attendant? Parce que j'ai d'autres cadeaux qui s'en viennent. Ah oui? Ah, t'es ça en plus. Merci beaucoup. Jojo Café. Oh, qui me donne un cadeau? C'est pas sponsorisé, inquiète-toi. Okay. Ah, ben, c'est très bien. Jojo Café qui t'offre du café. Terrifié, franchement. Ouais. Ah, mon Dieu, OK. C'est dommage cool. La version plus terrifiée, puis la version la moins terrifiée, classique. On t'as aussi ça. Choupinette. On aime ça, que... du café. C'est... ben là, mets-les dedans. Ah, c'est Noël? Ouais. OK. Peut-être que tu peux me dire qui est Choupinette. C'est une boutique, c'est un magasin? Choupinette, c'est un magasin. Un magasin de bonbons? Oui, un magasin de boutique cadeau à Charbourg. On le donne des après. Des Skittles Tropical. OK, ah, ça c'est hot, ça, par exemple. Puis ça, t'as un groupe de. OK, ah, ben là... ouais, là, t'as ah non, non, c'est ça, là, il y a plein de petites affaires là-dedans. Moi. OK, le petit. Ah, le nœud, petit nœud pape. Moi. Un vrai nœud papillon, parce que c'est un papillon. Moi. Avec la barbe et la bête.
Et la bête, menthe, choco, huile à barbe. Ça, c'est drôle. Je viens de commencer à utiliser ça parce que j'ai souvent la barbe longue. Des fois, je trouve la barbe, ça sent le vieux poêle. Fait que je me mets l'huile à barbe pour parfumer. Hey, c'est bien cool, ça. Aussi, il y a une carte mixée éco dedans. Un bon nacho, c'est à Sherbrooke, 50$. OK, OK. Très cool. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait qu'il reste ça ici, encore. Des verres de groupe de vignes. Attention, c'est fragile. C'est très, très, très fancy. Oh, wow, ils sont très beaux. Groupe de vignes. Voilà, groupe de vignes. Ouais. Puis très beau petit verre. Ça, c'est mon artiste qui met la musique, mon interprète, qui met la musique dans mes entrevues. OK. Une musicienne, Lady Morneau. Okay. Lady Morneau, je vais t'écouter chez moi, dans la quiétude de mon foyer, parce que j'ai plus de lecteur CD dans mon char. T'as Ace qui est ça, tu peux l'ouvrir. Ah, il est très cool, très cool. Puis le dernier du moindre, Luc Poirier. Ah, qui a fait des buzz Luc Poirier, Mark Fisher, voire grand. Donc ça, c'est un livre pour les pauvres. Ben, un livre un peu de motivation. Ça, oui, un livre de motivation, je vais te l'ouvrir. Laurent, n'oublie pas de voir grand. Bonne lecture. Signé Luc Poirier. Ah, ben, j'ai téléchargé à la prairie juste pour ça. Pour vrai? Avec mon lancement de la ville de Sherbrooke. Ben, c'est donc bien cool. Tous ceux qui voient grand et croient en eux, et si tout était finalement possible. Sais-tu quoi? On est dans le temps. Il est 7h15. C'est malade. Merci. Précis comme une horloge. Je te remercie beaucoup de ton temps, Laurent. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil.